Donc, vous avez des petites pascades avec de l'oignon doux, des petits croutons frits avec de la sardine marinée et du carpaccio de bœuf avec du poireau et une petite mayonnaise au citron vert. Et au centre, du magret de canard séché avec champignons à l'huile au vinaigre et pommes de terre. Bonne dégustation. Aussi la mise en bouche, on peut commencer par le toast de viande épicée au foie gras, rhubarbe, la fleur c'est la tagette, vous pouvez manger également. Au centre, vous avez des haricots coco en vinaigrette au jus de viande et terminé par la bisque d'écrevisse et pot de lait. Bon appétit. Merci. Il est de truite fariolée bien grillée, servie sur purée de céleri rave, gazpacho de tomate, huile d'olive noire et des feuilles de chicorée. Bonne dégustation. Un plateau de l'Aveyron, hormis cette semaine en nouveauté, ce sera le pavé de la Ginestarier, donc un fromage de chèvre du Tarn. Également un chèvre de Saint-Hippolyte sur les hauteurs d'Entrailles, celui-ci. Un brebis, le Roquefort vieux berger. Demain, le Pérail des Cabasses de Verrières, donc Verrières dans le sud d'Aveyron. Toujours un brebis, la Tome du Larsac, la Marotte. Un peu plus affiné, la Tome des Raspes de Viella du Tarn. Un vache. Les Sierra Nobrac de Curière, l'aïeul fermier, 10 mois et 5 mois d'affinage. En accompagnement, le miel en brèche bio de la vallée des Lottes, un chutney de mirabelle, échalote, oignon et un mélange d'épices douces de chez Olivier Rollinger. Ou bien alors, un gomasio d'épices, donc c'est des épices qui ont été torréfiées au sel marin. Prima. Et la faisselle fermière de Carlades, servie avec huile au miel, fruits rouges et glace à la fleur de Mélilo. Petite fleur blanche, je propose d'aller au Posez donc Mélilo au mur, là vous savez le sable et donc à la framboise, et pour finir, une truffe au chocolat.